pratiquement, il m'était apparu lorsque j'avais 5 ans. C'est au cours de cette apparition que, pour la première fois, j'ai dû voir, n'est-ce pas, la face du Seigneur. Et voici de quelle manière, n'est-ce pas, il est apparu. Il est apparu, n'est-ce pas, comme je le disais, dans une grande lumière. Et cette lumière s'est transformée vraiment en une véritable grande lumière. Et j'ai vu quelqu'un sortir donc de cette lumière comme dans une porte invisible. Et là, j'ai vu un homme blanc, grand, d'au moins 1,70 m, habillé comme l'accoutrement des Indiens de l'Inde, avec comme les Juifs s'habillent. Mais c'était tellement blanc, j'ai pas vraiment regardé les pieds, mais en fait, la taille que je voyais était vraiment bien habillée, les cheveux bien lissés jusqu'ici sur les épaules. Et il m'a premièrement d'abord souri, et j'étais très stupéfait de voir cette apparition. Déjà du fait que j'étais déjà habitué à voir les esprits. Et voilà comment il m'apparaît, dans un visage vraiment tellement clair, souriant, reposé, calme. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a calmé, parce que il n'est pas apparu avec un air méchant et tout, mais calme, me regardant en face dans les yeux, souriant, me poussant pratiquement même à parler. Et c'est comme ça qu'il s'adresse à moi, à côté de mon lit. Il s'est avancé de mon lit. Et puis, moi étant couché sur le lit, et je l'ai regardé, il m'a dit, c'est moi Jésus. Et il m'a dit dans ma langue maternelle, c'est moi Jésus. Et je suis venu te dire que lorsque tu auras 30 ans, tu vas aller parler de moi partout dans le monde. Alors, je serai avec toi partout où tu iras. Est-ce que tu comprends? C'est moi Jésus. Il m'a dit, le temps ne va pas s'arrêter. La distance ne sera pas longue. Partout où les gens voudront entendre parler de moi, tu iras. Et à cause de toi, beaucoup de personnes croiront. Et voir l'expression de son visage, c'est l'expression d'amour. C'est quelqu'un qui vient exprimer, disons, la soif qu'il a, n'est-ce pas, de ces hommes qui sont perdus et qu'il veut voir être sauvé. Et c'est comme ça que, retournant en arrière, il m'a encore souri. Et c'est à cet instant-là que je suis sorti en courant. Mais au départ, comment est-ce que je peux le décrire dans un sens plus pratique? Un homme d'un mètre 70, pesant au moins 100 kilos ou 95 kilos dans la hauteur, bien bâti, et quelqu'un de stable, qui n'a pas l'air vraiment méchant pour un enfant de 5 ans comme moi, mais qui a marqué pratiquement mon jeune enfance. Et c'est donc comme ça que il m'est apparu, et la lumière était vivante autour de lui. C'était comme si cette lumière exprimait aussi sa manière d'être, sa qualité d'être, c'est-à-dire une lumière bien ambiante, fluide, blanche, mais vivante. Vous sentez qu'elle est en train de vivre, de tournoyer autour de lui. Alors donc, à ce moment, je n'avais pas remarqué pour la première fois à ses mains percées et à ses pieds percés. C'est un peu plus tard, dans d'autres apparitions, que j'ai pu remarquer cela. Donc après que je sois parti dire à mon père que j'avais vu Dieu, après la bastonnade dont j'avais été l'objet, quand maman m'a pris, m'a ramené donc à la maison pour me soigner et puis me faire des soins, elle est repartie dans la chambre. J'étais en train de lui dire, maman, j'ai vu Dieu. C'est vrai que je l'ai vu. Elle m'a dit, oui, mais je te crois. Mais certainement, beaucoup de personnes ne te croient pas. Et ne te fais pas de mal pour rien. Garde ça pour toi alors. Donc, à peine elle m'a remise donc sur le lit, qu'elle ait tiré la porte, vraiment, alors là, c'est comme si vous allumez, vous déclenchez un interrupteur. Ça s'est déclenché automatiquement. Alors, il m'est réapparu encore.
Alors là, cette fois, vraiment, tellement avec un visage de compassion, de quelqu'un qui veut faire quelque chose pour toi, mais il est comme dans l'impossibilité de le faire actuellement. Et c'est comme ça qu'il me regarde, patiemment, posément, avec un air de compassion, de pitié, pour ainsi dire. Alors c'est comme ça qu'il m'a parlé, il m'a dit, tu vois, quand on commence à parler de moi, le sang coule. Et tu ne seras pas le premier, ni le dernier. Tu iras quand même parler de moi. Je serai avec toi. Ne te tais pas. Continue à parler jusqu'aux extrémités de la terre.